Je veux amener le monde dans la grande compréhension, mais pas dans la compréhension qui va diviser les êtres, mais dans la compréhension qui va assembler les êtres, qui va les unifier, qui va faire que chaque chose est à sa place. Les pieds sont à leur place, les genoux sont à leur place, tous les organes sont à leur place, et tout est sage, et tout est bon, et tout est vrai, et il n'y a pas de mal en réalité, il n'y a pas de mauvais regard. Il y a des regards différents, et il y a une sagesse de l'ensemble. Il y a trois écoles. D'abord, l'école de la souffrance. Elle est incontournable. Ensuite, vous avez l'école de la sagesse. Mais très peu d'êtres y entrent. Ensuite, vous avez la plus grande de toutes, qui est l'école de l'amour. Pas l'amour dont parlent les hommes. L'amour dont parlent les hommes, c'est la souffrance. C'est tout ce qui fait souffrir. C'est tout ce qui n'a aucun sens. C'est ce qui est sous les pieds de l'homme. Et toujours l'homme est là, dans cette décomposition. Et il est dévoré vivant, et toujours en train de souffrir. Après, il y a comme cette belle lumière de la sagesse. Alors tu comprends, est-ce qu'un sage est un être qui ne fait pas de bêtises? Mais bien sûr que non. Un sage est un être qui fait des bêtises. Simplement, il comprend qu'il fait des bêtises et il ne les reproduit pas. Qu'est-ce qu'un non-sage? C'est un être qui fait des bêtises et il fait toujours les mêmes bêtises, toujours, toujours et toujours les mêmes bêtises, et il recommence et il recommence et il recommence sans arrêt. Alors qu'un sage, quand il fait une bêtise, il cherche à comprendre les lois. Et il cherche à voir qu'il y a des lois. Et là, il commence en réalité à poser pour ne pas reproduire sans arrêt les mêmes erreurs. Quand tu entres plus grand que la sagesse, tu entres dans l'amour. L'amour, c'est ce corps plus grand dont je vous parle. Jésus a dit, je suis en vous, vous êtes en moi. Et là où je vais, vous allez, nous sommes un. Il avait cette conscience dont je vous parle, que l'extérieur est un reflet de l'intérieur et de tous les organes qui t'unissent avec cet extérieur. Les arbres sont en toi, les animaux sont en toi, les hommes sont en toi. Tu dois mettre de l'ordre dans ce monde sage. Tu dois savoir comment t'approcher de tous les êtres et comment les considérer. Tu dois savoir lire et écrire. Pas les livres des alphabets, de la contre-culture, mais qu'est-ce que l'arbre? Qu'est-ce que le lapin? Qu'est-ce que le castor? Qu'est-ce que la tortue? Tu dois les connaître. Tu dois savoir qui ils sont à l'extérieur et à l'intérieur. Tu dois savoir qu'est-ce que c'est que le nuage? Qu'est-ce que le soleil et la lune? Qu'est-ce que c'est que les étoiles? Et tu dois savoir te comporter avec toutes ces choses pour avoir des attitudes justes, pour être honoré. Parce que si tu crois que c'est toi qui vis, tu te trompes. Il y a ces trois écoles, et ces trois écoles, nous sommes tous dedans. Et qu'est-ce que font les hommes faibles, c'est-à-dire ceux qui vont mourir, eh bien, en réalité, ils cherchent sans arrêt à éviter la souffrance. Nous sommes associés avec des mondes et des mondes. Tout autour de nous, c'est toute une sagesse, c'est tout un savoir. Il y a le corps de la vie, il y a le corps des sentiments, des états d'âme, il y a le corps des pensées. Très peu d'êtres peuvent atteindre ce corps des pensées. Ils disent « je pense », mais ils ne pensent pas. Atteindre le monde des pensées, c'est tout un monde en soi. Ensuite, il y a le monde de la conscience, mais très peu d'êtres atteignent ce monde de la conscience. Toujours on ramène tout vers le corps physique, la conscience dans le corps physique, mais non, d'une conscience beaucoup plus grande. L'arbre est ton frère, la pierre est ta sœur, nous sommes tous un seul être.
Voilà la conscience. Nous sommes le même être qui se dit bonjour et qui se regarde. Voilà la conscience supérieure. Voilà l'amour. Voilà la sagesse. Ce qui arrive à l'un arrive à l'autre. Nous devons nous soutenir vers le haut. Nous devons honorer le divin. Le but de la vie, c'est d'aller vers et pas d'attendre que ça se passe. Le but de la vie n'est pas de rester dans le corps. Le but de la vie est de sortir du corps pour grandir, pour être ensemble dans une vraie famille, une vraie communauté d'âmes, pas simplement essénienne, mais universelle. D'avoir la sagesse de tous les mondes. Tu crois réellement que c'est toi qui regardes avec tes yeux? Tu crois réellement que c'est toi qui entends avec tes oreilles? Mais c'est faux. C'est une vision fausse du monde qui a été plaquée sur le monde. L'homme pense réellement, mais réellement aujourd'hui. Mais alors, avec une force incroyable, d'une puissance phénoménale, l'homme pense réellement qu'il est vivant, lui, dans son corps. Il le croit profondément. Où est la vie? Dans la pomme? Non. Elle est à l'intérieur du pépin. Et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'on dit, il m'est arrivé un pépin. Il m'est arrivé un pépin. C'est-à-dire, c'est le problème. Je peux vous garantir, et vous pouvez ouvrir vos oreilles si vous en avez, que le grand problème des hommes, c'est la vie. C'est le pépin. La mort, il n'y a aucun problème, on maîtrise. La vie, on ne maîtrise plus rien. La mort, on connaît. La vie, on ne connaît pas. On ne sait pas. La vie, c'est grand. La vie, c'est infini. La vie, c'est sans limite. La vie, c'est l'esprit. C'est le mystère de la création de l'esprit. La vie n'est pas dans la parole, elle est dans ce qui est caché à l'intérieur de la parole et que tu dois, toi, prendre et planter dans ta terre. Alors tu verras un pommier pousser en toi et tu auras l'arbre de la vie. Et après, tu verras que toi-même, tu donnes des pommes parce que tu es un pommier avec des pépins à l'intérieur. Alors toi aussi, tu peux être un créateur, tu peux être en accord. Le problème bien souvent des hommes, c'est que quand ils regardent la terre, ils se disent « elle est grande ». Mais en réalité, il faut juste s'accrocher à une partie de la terre et s'enraciner. Tu n'as pas besoin d'avoir toute la terre, tu as juste besoin d'avoir une terre pour toi, qui est la tienne. Dans la vie, tu dois trouver ta place et t'enraciner. Et après, tu dois aller vers ce qui est grand et vaste. À partir du petit, tu fais le grand. Mais les hommes veulent toujours le grand, le grand, le grand. Ils veulent tout. Ils veulent s'occuper de tout. Mais ils n'ont aucune racine, donc aucune force. Si tu connais le petit en toi, tu connaîtras le grand. Si tu ne connais pas le petit, tu ne connaîtras pas le grand. Il n'y a que les forts qui passent. Jésus a dit cette parole incroyable. Celui qui a connu l'épreuve a rencontré la vie. Elle est incroyable, celle-là. Celui qui a connu l'épreuve a rencontré la vie. Mais celui qui n'a pas connu l'épreuve, en fin de compte, il est mort. Une vie sans épreuve, c'est la mort. Qu'est-ce qui éveille la vie? L'épreuve. Comment tu sais que tu as des dents? Parce que tu as mal aux dents. Si tu n'as pas mal aux dents, ben tu n'as pas de dents. Vous pouvez méditer ce que je vous dis. Elle était forte et belle, cette parole. Parce que le maître a redressé un de ses élèves, mais son élève n'a même pas compris ce que le maître disait. Et il a pensé dans sa tête qu'en réalité c'était de la philosophie. Il ne pouvait pas concevoir qu'en réalité le maître était un maître, parce qu'il le regardait qu'avec ses yeux. Il ne pouvait pas réellement imaginer que cet être était en contact avec des mondes supérieurs. Et en réalité, il passait à côté comme beaucoup. Seul celui qui veut réellement entrer à l'intérieur de lui et à un moment donné se met en chemin. Mais quelle épreuve ! Parce que l'obstacle en réalité, c'est toi.
Et c'est toi que tu dois traverser. Et ce sont des mondes et des mondes. Jusqu'à ce que tu atteignes le but correctement formé. Bénis celui qui a connu l'épreuve. Il a trouvé le chemin de la vie. Quelle étrange parole. Quelle étrange, vraiment étrange. Quelle étrange parole. Parole d'un fils de Dieu, d'un grand sage, d'un grand maître, d'un être qui avait une conscience grande et qui connaissait les mystères de la vie et le chemin des hommes et qui a tenté de leur enseigner ce chemin.